Sarcelles avec toute l'équipe pour les vœux donc de Didier Laguerre, le premier magistrat donc de la ville de Fort-de-France, maire de Fort-de-France, mais également Serge Latchimi, le député du Val-d'Oise, M. François Poponi, et le maire de Sarcelles, Patrick Haddad. On est venu donc pour ces vœux. C'est une grande première, c'est une symbolique. On espère qu'il va y avoir donc une pérennité sur cette manifestation. Je voudrais également profiter pour saluer Peggy Ladéon, Maurice Fleuret pour l'organisation, saluer donc la Maison de l'Outre-mer dirigée par M. Yuri Sakoumazou, mais également Séverine Massol, et une mention particulière donc à Rebecca pour la mise en œuvre de cette manifestation. Télé Antilles y était pour vous. Tout de suite, les images. Croisez-vous les huit, je vous ai dit croisez. Compagnie la dame, décroisez la main. Pastorelle sur la gauche. Compagnie la dame, détachez la main. Accompagnez mademoiselle en avant-toi. Arrière. L'autre fois. Mettez-vous en avant dès la première. Mamzelle là en a quoi? Voltigez pour la porte.
Voilà. Au commandement, Nita Alfonso, présidente donc de l'association Madi Ekira. Je vous demande des applaudissements encore pour la troupe d'Argenteuil Madi Ekira. Merci beaucoup. Et on va laisser la parole, mesdames, messieurs, au député de la circonscription, monsieur François Pouponi. Bien. Merci, monsieur le maire, mon cher Patrick, monsieur le député, mon cher Serge, monsieur le maire, cher ami. Moi, je suis d'abord désolé d'avoir dû m'absenter un peu, mais il y avait des manifestations sportives, ce qui explique un peu ma tenue un peu décontractée pour aujourd'hui. Moi, je suis vraiment très content d'être là parce que Fort-de-France, je connais un peu et beaucoup par les dossiers. Parce que lorsque j'étais président de l'ANRU, il a fallu à l'époque choisir les sites qui allaient être retenus pour ce qu'on appelle l'ANRU 2. C'est-à-dire cet argent qui va permettre à une ville de se développer et d'avoir la possibilité de construire du logement, de le rénover et d'améliorer son espace urbain. Et bien entendu qu'à l'époque, on a déjà parlé avec Serge, Fort-de-France a été retenu. Moi, j'ai très content d'avoir retenu cette ville parce qu'il y a des projets emblématiques forts, des constructions de logements très fortes. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, Didier, plus de 1600 logements qui vont être ou rénovés ou reconstruits, ce qui est énorme. Il n'y a pas beaucoup de villes comme ça qui vont autant modifier, construire, parce qu'on sait qu'il y a effectivement des problématiques de logement. Et puis, je suis aussi content d'être là, parce qu'avec Serge, on a passé de nombreux moments et souvent de nombreuses nuits ensemble sur les problématiques de la législation pour les territoires ultramarins. Moi, dans la mesure du possible, j'essaye toujours de faire, non pas l'effort, mais d'être là avec eux, et avec lui en particulier, parce qu'il est normal que les députés de la nation viennent s'occuper des territoires ultramarins, non pas pour dire ce qu'on doit y faire, mais pour justement écouter les élus de ces territoires, nous dire ce qu'il faudrait faire dans ces territoires et quelles sont les lois qu'il faudrait faire évoluer. Et la dernière que tu as réussi à faire voter, c'est à l'unanimité. C'est cette fameuse loi sur l'indivision qui fait qu'effectivement, on a parfois des difficultés en Martinique ou ailleurs à modifier les choses parce qu'il y a des problèmes de titrage de biens et qu'il fallait changer la loi. Et Serge y est parvenu avec la grande qualité qu'on lui connaît. Mais moi, j'y vais dans l'hémicycle, les aider, et les aider en particulier, parce que, je répète, je trouve ça normal. Et il y a quelque chose qui me traumatise et qui me gêne toujours un peu, c'est que quand il y a un débat à l'Assemblée nationale sur les problématiques ultramarines, il n'y a quasiment que des parlementaires ultramarins. C'est-à-dire que les autres parlementaires, on a le sentiment que ça ne les intéresse pas. Et ça, c'est insupportable. Parce que, je répète, on est député de la nation, et donc on doit s'occuper de l'ensemble des thématiques qui concernent la nation, y compris les problématiques ultramarines. Alors, on va avoir, je l'espère, toujours derrière Serge, qui a pris le leadership de ce sujet-là, on va avoir, dans quelques semaines, normalement, la fameuse réforme constitutionnelle. Et là, il va y avoir une bataille homérique que tu vas mener avec d'autres, avec les autres députés, mais je sais qu'il y a d'autres élus localement vont te soutenir. Cette bataille homérique, c'est de faire en sorte que, enfin, dans la Constitution française, au fameux article 74, on parle un peu technique, les ultramarins, leurs élus, leur population, soient capables de prendre leur destin en main sans qu'il y ait toujours Paris qui vienne dire « là, on est d'accord, là, on n'est pas d'accord voilà. ». Sans qu'il y ait toujours la nécessité de demander systématiquement l'autorisation à Paris. Parce que pour bien connaître vos élus, pour bien vous connaître vous, il n'y a aucune raison qu'il y ait cette espèce de tutelle insupportable. Vous êtes tout à fait capable, vous avec vos élus, de savoir ce qui est bien pour vous, comment on doit le faire, dans le cadre de la République. Il n'est pas question pour vous de revendiquer de sortir de cette République. Mais cette espèce de tutelle, de mise sous tutelle systématique de l'autorité... Alors, il y a monsieur le délégué du préfet qui est là, qui ne m'en veut pas, hein, il représente l'État, mais voilà. Non, mais voilà, vous devez être capable, et je sais que Serge, c'est son grand combat, vous devez être capable de prendre votre destin en main, de choisir et de voter des lois qui vous concernent, en sachant quelles sont les bonnes solutions pour régler vos problèmes, sans que quelqu'un à Paris soit en train de vérifier si... Et en plus, il y a quelque chose d'insupportable, c'est que quand les élus locaux demandent justement à Paris la possibilité de déroger un peu à la règle, parfois, il y a, ou quasiment tout le temps, il n'y a aucune réponse. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas oui, non. Bon. Voilà, donc c'est des combats, moi, qui me touchent particulièrement, parce que vous m'avez initié à ces sujets-là, Serge a initié, d'autres élus également, et donc je vais continuer en tant que parlementaire à le faire. Et moi, vraiment, je voulais féliciter Patrick d'avoir accepté qu'on organise ici cette réunion
qui est presque une réunion publique, au-delà des vœux, et c'est important, parce que vous avez des choses à dire à vos élus, et puis nous, on a des choses à entendre de vous, en étant parlementaire ici, en métropole, dans la région Île-de-France, qui est la nôtre, et dans ce département, il y a beaucoup d'ultramarins. Je me dois aussi d'être à côté de vos élus pour défendre vos intérêts, parce que quand on est élu, on doit être au service de sa population pour essayer de faire en sorte que les problèmes avancent en fonction de ce que veulent les gens. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là, moi, que je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. Je vais même demain organiser un rendez-vous avec l'ANRU, parce qu'il y a l'ANRU 1, puis donc il y a l'ANRU 2, et donc faire en sorte que les dossiers avancent. Le fameux dossier cœur de ville dont le maire a parlé tout à l'heure et le fameux dossier ANRU qui vont permettre de modifier complètement le cœur de Fort-de-France, et c'est important. Et donc, vraiment, c'est la raison pour laquelle je trouve que cette initiative est une très bonne initiative et que moi, j'ai été très heureux d'y participer. Voilà. Merci, merci monsieur le député. On va laisser le mot de la fin à Didier Laguerre, maire de Fort-de-France. Est-ce que ça parle créole? Mais bien sûr, comment ça parle créole? Ma matinée, m'a obligé à parler créole, quand même. Même si la moitié est petit. Moi, je ne m'a pas parler créole, mais il ne peut empêcher de parler créole. Donc, quand j'étais petit, ma mère ne voulait pas que je parle créole. C'était comme ça. On va dire ça comme ça. Mais elle n'a pas pu nous empêcher d'apprendre à parler créole et de parler créole. Et maintenant, on lui parle en créole. Et elle nous répond. Parce que c'est notre langue. Donc, le mot de la fin pour vous souhaiter une bonne année, pour remercier Patrick, monsieur le maire de Sarcelles, de nous accueillir avec ses élus. François Bouponi, député de Sarcelles, de nous accueillir et de nous accompagner et d'accompagner la ville de Fort-de-France dans son développement. Merci. Vous remerciez, vous, de votre présence. Vous remerciez de ce lien que vous gardez avec la Martinique, avec la ville de Fort-de-France. Qu'on remercie encore les organisateurs, ceux qui ont rendu cette rencontre possible. Et puis, vous invitez le plus simplement du monde à partager le pot de l'amitié avec nous, à prendre un petit bout et manger, quoi. Pour conclure cette rencontre qui sera bien évidemment une rencontre récurrente chaque année. En 2019, en 2020, en 2021, en 2022 et ainsi de suite. Et peut-être même plusieurs fois dans l'année parce qu'il faut qu'on puisse échanger, qu'on puisse, voilà, aujourd'hui c'est pas le lieu, mais il faut qu'on puisse se dire certaines choses. Et donc on pourra le faire éventuellement d'ici au mois de juin, il n'y a pas de souci. Voilà, merci, merci beaucoup. Et encore merci à la ville de Sarcelles. On va travailler ensemble à partir de maintenant, monsieur le maire. Bravo, merci. 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 Merci à vous. Alors, monsieur Carole, monsieur Fred Carole, comment ça s'est passé aujourd'hui à Sarcelles pour toi? Comment tu as trouvé donc ces vœux des élus du maire de Fort-de-France qui est venu pour la première fois à Sarcelles? Ah, ben ça a été très bien. Ils ont parlé des projets, tout ça, c'est pas mal. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis bon, on était à l'écoute, quoi. Je suis originaire de Fort-de-France, hein, je crois. Je suis originaire de Fort-de-France, du quartier Volga-Plage. D'accord. Et ça t'a plu, donc, les projets qu'il a énumérés, annoncés, donc, c'est, voilà. Des projets, il y en a tout le temps, hein. Ouais. Mais bon, après, il faut les réaliser. Mais après, il y a des choses qui se concrétisent quand même sur Fort-de-France. Ça s'est concrétisé pas mal, oui. Ouais. J'ai vu notamment le TCSP, là, ça, c'est pas mal. C'est ouais. Très bien fait, ouais. C'est bien, c'est bien. J'étais aux Antilles il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu... Alors, qu'en penses-tu de cette initiative? Donc, c'est une grande première à Sarcelles. On a vu donc pour la première fois M. Le Chimi, M. Didier Laguerre, M. François Poponi, M. Patrick Haddad, donc maire de Sarcelles. Donc, c'est une grande première. Comment tu as vécu cette chose donc, de l'extérieur? Eh ben, pour une première, c'est très bien. Il faudrait recommencer. Et puis, bon, les projets avancent dans les deux sens, quoi. Et puis, bon, c'est mieux pour la population, quoi. C'est pour nous, les ultramarins, quoi, avoir... tout ce qui se passe aux Antilles, tout ce qui se passe surtout à Sarcelles, qui est une ville qui bouge pas mal. Au niveau ultramarin, c'est pas mal. Fred, on s'intéresse à la vie du pays quand on est ici en métropole. Alors là, je présume, au panier de l'intention de retourner au pays. Ah si, 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 si. Retourner, t'installer définitivement? Ah oui, oui, surtout quand on prend de l'âge. Ouais. On commence à faire notre petite maison, si on peut.
Et si, c'est dans mes projets. Donc, voilà, les Antilles, pour toi, ce n'est pas qu'une histoire de vacances. Ah, tu penses un jour retourner, t'installer définitivement? Tout à fait. Ah oui. Et c'est déjà presque prêt. Dans quelques années, on va dire, je vais vous laisser ici. Mais je ferai la navette parce que j'ai les enfants ici. Merci Fred, en tout cas, pour... voilà. Allez, un petit mot, on va poursuivre avec les amis. De quoi discute-t-on quand on se retrouve à Sarcelles, là, comme ça, entre... Parlons-nous. De quoi parle-t-on On parlait tout simplement de le cousin de Séchant, le chanteur Renaud. Ouais. Et j'espère... des dotations de l'État pour les Antilles, notamment la Martinique. Qui ne sont jamais assez importants. Exactement, et c'était la question qu'on voulait poser au maire. On n'a pas eu l'occasion, mais on sait qu'il travaille dur aux fins de résultats positifs pour le pays. Alors comment vous avez trouvé donc cette première? C'est une symbolique, hein, la première fois que le maire donc, de Fort-de-France vient formuler ses voeux ici en métropole. Alors c'est une grande première, mais qui ne risque pas de s'arrêter là. On parle donc de pérenniser, donc en tout cas ce rendez-vous. Comment vous avez trouvé cette manifestation? Ben moi j'ai trouvé ça une excellente idée et j'espère très sincèrement que ça va se renouveler parce qu'on a besoin de ça. Et j'ai entendu M. Letchimi préciser qu'il était avec nous, même si on vivait ici en France, et qu'il partagerait les échanges. Donc que ça se poursuive, j'espère que ça va être pérennisé dans ce sens. On en pense quoi? Ah ben moi j'ai trouvé ça magnifique parce que j'ai fait le déplacement de Meaux pour venir jusqu'ici pour voir mon maire de Fort-de-France, je dis bien mon maire, et Letchimi, donc ça m'a fait plaisir. On ambitionne un jour de retourner sur Fort-de-France? C'est le projet qui est là, c'est maintenant. C'est monsieur dit que c'est bientôt? Ah oui, fin mai, début juin, on repart définitivement. Définitivement? Oui. Définitivement, voilà. Je suis à la retraite, donc on part. D'accord, voilà. Donc là, ça sera un retour pour se reposer ou alors il y a une activité. Je travaille avec le conseil départemental de 77. Donc je serai obligée de travailler avec le département de la CTM, le conseil territorial de Martinique, que je vais continuer mes activités. C'est la collectivité territoriale de Martinique. Comme tu veux. Voilà. et moi, c'est pour me reposer. Reposer tranquillement. Pendant que madame travaille. Exactement. Tu as raison. Mais il faut faire travailler les femmes un peu. Hein. C'est bon, moi j'ai donné. Vous êtes d'accord avec ce que dit monsieur, je crois? Pas vraiment, mais s'il a travaillé, il faut qu'il se repose maintenant. Ça, c'est normal. Qu'il profite de sa retraite. Être aux Antilles et se reposer, c'est pas possible. Il va faire semblant de se reposer. Merci encore, merci à vous. Merci à vous. En forme. Un petit bonjour, Bod Guibé. Alors, Bod, tu n'es pas fouillalet, pourtant tu es venu donc au rendez-vous, c'est important? Bien sûr, je suis de la Martinique. Ouais. Donc, le maire de Fort-de-France, c'est le maire de la capitale. Ouais. C'est le représentant de la Martinique. Le représentant de la Martinique, automatiquement, ma place est là. Il n'y a pas de souci. Comment tu as trouvé ces allocutions? Non, je trouve ça vraiment sympathique. Et puis, vraiment, c'est un gars qui a des choses à dire. Tu vois, il y a longtemps que je le suis et je vois que Fort-de-France, depuis quelques temps, Fort-de-France sort du trou. Hein. Bon. Depuis que Letchimi était là, ça va commencer. Et là, maintenant, tu vois que Fort-de-France, maintenant, j'ai du plaisir à aller à Fort-de-France. Parce qu'avant, c'était assez compliqué. Là, je vois qu'il y a une beauté, il y a un truc, il y a une recherche. Merci, Bob. De rien. Merci. On est avec Madame Aounou, donc, qui est maire adjointe ici à Sarcelles. Alors, c'est une grande première, hein, donc, Chantal. Alors, une grande première donc, pour les originaires donc, des Outre-mer, une grande première pour la ville de Fort-de-France qui a choisi Sarcelles pour formuler ses voeux et pour organiser ses voeux ici en 2019. Écoutez, moi je suis très honorée de voir la ville de Fort-de-France présente ici à Sarcelles et j'en suis très très fière et je me reconnais dans toutes les valeurs et dans tout l'exposé qui a été fait lors de cette, on peut dire, hein, de cette belle réunion publique, hein, en même temps très cordiale, avec des éléments très sérieux qui ont été apportés sur la manière dont la ville de Sarcelles et la ville de Fort-de-France pourra à l'avenir travailler en concertation et en bonne entente, en convivialité.
Alors j'ai envie de dire que Sarcelles nous le démontre hein, tout au long de l'année avec les différentes organisations qui se font et qui sont présentées ici sur la ville. Sarcelles est un vecteur, mais c'est aussi, il faut le dire, Madame Arnoux, donc un dénominateur commun pour les originaires donc, des Outre-mer. Oui, un dénominateur commun pour les originaires de l'Outre-mer, dont moi-même je me sens très proche. Bien évidemment, si je peux glisser un ou deux petits mots, moi je suis d'une famille dont les ancêtres sont des Agudas, c'est-à-dire qu'ils ont été déportés au Brésil et ensuite ils sont revenus au Bénin. Et donc, évidemment, quand on parle de la communauté ultramarine, évidemment, je suis là, toujours, parce que j'en comprends bien l'histoire à laquelle je me sens appartenir. Et puis, bon, si je peux ajouter quelque chose, je me suis promis d'apprendre le créole maintenant. Voilà, vous êtes en deux, trois leçons, ça va être faisable. Il suffit de regarder Télé-Anti et en quelques clics. Voilà, et j'ai même remis dans les écoles des petits livres pour que les enfants sarcellois apprennent tous le créole. Merci Madame Arnoux. Oui, alors on est avec le député Charles Letchimy. Alors Monsieur le député, donc déjà merci donc de venir donc soutenir cette belle initiative. Le premier magistrat de la ville de Fort-de-France, M. Didier Lagarde, c'est une grande première hein, donc, ici pour nous en métropole d'organiser donc, des vœux et vous êtes venu donc, soutenir donc, un maire que vous connaissez bien et qui a donc de grandes ambitions. Il l'a démontré encore aujourd'hui. C'est une très belle initiative de Didier. C'est un garçon remarquable. Il est ingénieux, il est précis, il est d'une grande loyauté. On est très fiers de ce qu'il fait à Fort-de-France aujourd'hui. Et je tenais à être présent physiquement pour l'accompagner. Parce qu'il est dans cette pensée que nous partageons. On n'est pas 380 000 habitants. On est près de 500 000 à 550 000 habitants. Une partie vit en Martinique et une autre partie vit dans l'Hexagone dans le monde entier. Si on n'a pas compris cette évidence-là, on se coupe du monde et on se coupe de nos réalités. Parce que c'est cette force multiple à la fois dans la Caraïbe et en même temps en Europe qui peut, de mon point de vue, conjuguer pour pouvoir affronter la mondialisation et les enjeux du monde. C'est dans ce cadre-là que je dis que garder le contact avec nos frères et sœurs qui sont ici dans l'Hexagone, c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel. Alors c'est un symbole, hein. Aujourd'hui on l'a dit, c'est une symbolique. Le maire donc, de la plus grande ville de la Martinique qui fait ses voeux donc, ici à Sarcelles. Ça veut dire que, en plus on est en train de tisser des liens historiques entre Sarcelles, ville communautaire où il y a une belle aussi, hein, une belle communauté donc, ultramarine. Il y a beaucoup donc, d'Antillais, beaucoup de Martiniquais, on peut le rappeler. Et il y a des choses qui vont se mettre en place. Oui, c'est symbolique Sarcelles. Toute Martinique qui vivent en France savent que Sarcelles, c'est un lieu symbolique. Pour quelle raison symbolique? Parce que c'est pas seulement qu'il y a des Martiniquais à Sarcelles, hein, c'est parce qu'il y a une communauté multiculturelle à Sarcelles qui montre que dans le monde entier, on aura une évolution de la composition socio-raciale en France. Et c'est un bon exemple. Et à ce titre-là, nous avons considéré que pour la première fois, il fallait faire ça dans une ville comme Sarcelles. Maintenant, chaque année, puisque Didier veut faire ça chaque année, ce ne sera pas qu'à Sarcelles, ce sera ailleurs. Mais c'est un symbole, un ancrage. Et ce qui se passe, c'est que nous avons de plus en plus de nos frères et sœurs qui se battent et qui gagnent des combats, à la fois dans l'organisation audiovisuelle, dans les radios, dans les mairies, comme élus, dans des départements, dans des régions, comme parlementaires demain. Et c'est un peu cette communauté de pensée qu'il faut absolument privilégier. Et pour nous, c'est très important de garder ce contact. Alors j'ai entendu tout à l'heure donc, dans les différentes interviews que alors, des participants qui disaient donc depuis l'arrivée donc, de Serge Letchimy et encore plus donc, celle de Didier Lagarde, on a l'impression que Fort-de-France est devenu une ville nouvelle. Oui, et ça bouge beaucoup. C'était pas facile hein, parce que c'est quand même une ville qui avait 100 000 habitants. Maintenant on est à 83, 84 000 habitants et avec la diminution de la population dans toute la Martinique. Mais c'est une ville aussi qui a assumé la misère de tout le monde pendant des années. C'est une ville centrale. Moi, nous sortons du gros monde, ma famille. On était très pauvres. Donc elle a accompagné des gens, elle a construit des écoles, a apporté l'eau, l'hygiène,
et les médicaments, tout ça. Donc la solidarité césarienne est pour nous une grosse responsabilité. En même temps, il faut développer. Alors les deux ne sont pas des fois compatibles, parce que quand vous mettez beaucoup d'argent dans la solidarité, vous avez peut-être moins d'argent pour l'investissement. Mais c'est un choix délibéré qui a été fait. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Le Malecón est magnifique, le boulevard Bishop est exceptionnel. Et Didier Laguerre a un programme de près de 1700 logements à construire dans la ville. Les restaurations de quartier commencent à venir. La fontaine Guédon, pour prendre un exemple précis, sera restaurée bientôt. Il y a un port de plaisance qui a été construit avec près de 460 bateaux. Il y a 600 bateaux qui viennent de plus. Donc on est véritablement une ville touristique majeure. Et donc on est une ville qui se bat, qui lutte. Le transport commence à s'améliorer au-delà des bêtises politiques que nous avons localement. Le TCSP fonctionne et aurait pu encore mieux fonctionner. Donc on est véritablement dans une perspective de développement. Avec notamment donc les Quaïziris qui reviennent aussi à Martinique, oui, ce qui est de bon augure pour la ville de Fort-de-France. C'est bien, je salue toujours quand on me parle de Quaisière et Karine Rocami. Elle a monté, quand on était à la région, un programme exceptionnel et qui nous a permis de sortir de 55 000 touristes de croisière en, quand on est arrivé en 2010, pour passer en 2016-2017 à près de 450 000 à 500 000 touristes de croisière. C'est un exploit incroyable de cette dame, qui est une femme exceptionnelle, Karine Rocami. Et aujourd'hui, on en tire un profit. L'équipe actuelle en tire profit, tant mieux pour la Martinique. Mais on est en train de redevenir une ville très, très attractive dans le domaine des croisières. Très bien. Merci en tout cas, monsieur Salut Chimi. Donc, merci en tout cas d'être venu ici aujourd'hui à Sarcelles soutenir monsieur Didier Laguerre donc, dans sa démarche. Ok, merci beaucoup. Bonjour, nous sommes avec Isabelle Plot, donc qui est donc maire adjointe avec en délégation la coopération hein, donc ici à Sarcelles. Donc une belle initiative, puisqu'on parle de coopération, une belle coopération entre la ville de Fort-de-France avec son premier magistrat, donc M. Didier Laguerre, et la ville de Sarcelles et son nouveau maire, M. Patrick Haddad. Oui, c'est ça en fait. Donc, moi je m'occupe de coopération, mais également on travaille beaucoup avec la Maison de l'Outre-mer, donc avec la population ultramarine qui se trouve à Sarcelles. Et c'est vrai pour nous aujourd'hui c'est absolument magnifique. Hein. C'est-à-dire on a pu voir effectivement M. Didier Laguerre qui nous a expliqué tout ce qui se passe au niveau de la ville de Fort-de-France. On apprend parce que pour nous c'est très important. On veut développer la vie culturelle des Antilles par l'intermédiaire des populations qui viennent des Antilles qui sont sur Sarcelles. Donc c'est pour ça qu'on envisage effectivement de créer un carnaval antillais sur Sarcelles. Et donc on apprend de ce qu'on a entendu pendant les discours. C'était vraiment très très intéressant. On a eu aussi des danses antillaises qui étaient très belles. Maintenant un buffet, il y a une ambiance très très agréable. Donc pour nous c'est très important. Pour la ville de Sarcelles c'est très important de se rapprocher de Fort-de-France et de façon générale de se rapprocher de la vie des Antilles parce qu'on apprend et ça nous enrichit. Avec une idée d'enrichissement vraiment. Avec une communauté donc ici antillaise donc sur le territoire sarcellois donc très très importante. On a des personnes effectivement de Martinique mais de toutes les Antilles de façon générale et c'est une communauté qui est très très active, très vivante, qui apporte énormément à la ville. Donc nous, on travaille pour tous les Sarcellois, mais ce que je disais, c'est que vraiment, les Antillais, c'est l'ADN de Sarcelles. C'est une communauté qui est emblématique et est là depuis très très longtemps. On a beaucoup d'artistes, de personnes importantes qui viennent des Antilles et qui sont nées, qui ont grandi à Sarcelles. Donc c'est pour nous, c'est une communauté qui fait partie de la ville de Sarcelles. On est un petit bout de Fort-de-France, comme je l'ai dit à monsieur Laguerre. Pour nous, les Antilles, c'est important. Et c'est important non seulement pour les personnes qui sont issues de ces territoires, mais aussi pour tous les Sarcellois de façon générale. Si on veut effectivement organiser un carnaval, c'est pas simplement pour les gens qui viennent des Antilles, mais c'est pour faire connaître cette culture à tous les Sarcellois. Merci Isabelle Plot, donc qui est maire adjointe donc, ici à Sarcelles, mais également en charge donc, de la coopération internationale. Alors on est avec Peggy, donc toi qui fais partie donc de l'organisation, donc qui a beaucoup œuvré pour la venue ici à Sarcelles, donc de M. Didier Laguerre. Donc comment ça sent-on? Comment on se sent après cette belle réussite? Alors je me sens tellement léger que la pression était vraiment très très haute, Mike, tu sais très bien comme moi-même, parce que la mairie nous a quand même dit ce qu'il fallait faire, comment faire les protocoles, parce qu'il y a beaucoup de protocoles. Et aujourd'hui, ça s'est réalisé. Je suis très content pour la ville de Fort-de-France, aussi pour la ville de Sarcelles, et aussi pour l'association que nous représentons, qu'on n'a pas besoin d'énumérer, puisqu'on sait très bien que c'est toute l'année que ça se passe. Je remercie aussi les médias qui ont suivi. Je remercie Télé Antilles, parce que Télé Antilles, quand même, aujourd'hui, est capitale sur Paris. Et
qui nous donne la visibilité sur la région parisienne et qui nous donne aussi la visibilité en Martinique parce qu'on était en direct, Mike. On était en direct live Facebook et on était en direct sur la télé. Donc c'est, pour moi, c'est tout bénef. C'est que du bonheur, Mike. Voilà, tout, du bonheur, donc une belle organisation, une belle réussite. Mettre ensemble donc Didier Laguerre, mettre ensemble donc François Poponi, Patrick Haddad, Serge Letchimi, pour nous souhaiter que c'est là vraiment une très très belle initiative. Alors, nous sommes avec Monsieur Patrick Haddad, donc le nouveau maire de Sarcelles, donc depuis le 5 décembre, qui a donc pris ses fonctions ici sur ce territoire. Monsieur le maire, donc tout d'abord, bonjour devant les caméras de Télé-Antilles. Une belle initiative, une belle réussite. J'ai l'impression, donc, j'ai envie de dire, donc une grande coopération qui se met en place entre les Antilles, mais également la ville de Sarcelles. Oui, tout à fait. D'abord, les liens historiques sont forts entre les Antilles et Sarcelles. Ils le sont depuis la construction du Grand Ensemble à la fin des années 50, au début des années 60, avec une population ultramarine qui s'est installée massivement à Sarcelles. Moi, j'ai grandi dans cette ville et donc j'ai pu constater, j'ai pu avoir beaucoup d'amis ici à Sarcelles qui ont... On a perdu la télé, là, c'est normal ? Ok, pardon. Donc, on a grandi ici à Sarcelles ensemble. On a depuis eu toute une série de... On a pris conscience, nous, les élus, avec François Pupponi, de l'histoire particulière, l'histoire singulière des Antilles. On a commencé par travailler sur la mémoire de l'esclavage, parce que je pense que c'était la demande principale, la première demande de reconnaissance de l'histoire du peuple antillais et de ses souffrances, c'était l'esclavage. Et ça, on l'a fait. On a une stèle qui a été inaugurée par Christiane Taubira. On a également un buste d'Aimé Césaire. On a un monument à la mémoire des descendants de l'esclavage. On a une fresque avec Aimé Césaire et Jean-Pierre Passé-Coutrin qui était un élu sarcellois et président du CROMVO. Aujourd'hui, on met en place toute une série d'actions avec la maison de l'Outre-mer. Ce n'est pas toutes les villes qui ont une maison de l'Outre-mer. Donc on a cette force de frappe aujourd'hui avec des conférences, avec des expositions, avec ce qu'on souhaite faire, c'est pour la première fois un carnaval tropical. Voilà, il y a toute une série d'actions comme ça qu'on va continuer de mettre en place. Et puis en discutant avec vos élus, avec Serge Letchimi, le député, avec Didier Laguerre, le maire, on s'est rendu compte, on le savait déjà, mais quand on a cette proximité humaine, quand on a le temps de se parler, y compris politiquement et devant la population, qui a des vraies proximités à la fois idéologiques dans le travail avec des villes et avec des populations qui se sentent parfois reléguées et dont il y a besoin d'être le porte-voix. Et je pense qu'on a des combats à mener ensemble pour la reconnaissance de populations qui sont en difficulté, qui ont aussi plein de ressources. Nous, c'est une ville très multiculturelle, Sarcelles, donc voilà, c'est une vraie particularité. C'est une particularité évidemment aussi d'être antillais. Et on est aussi sur des partis qui sont le Parti progressiste martiniquais ou le Parti socialiste. On est sur des partis progressistes, des partis de gauche qui ont une vraie considération pour les gens, qui sont proches du peuple sans être populistes. On peut reconnaître la mémoire des gens, on peut reconnaître les souffrances de certaines parties de la population sans nier celles des autres. On peut être proche des gens sans les monter les uns contre les autres. Avec eux, avec d'autres élus également, on constitue une vraie force de frappe qui part des préoccupations des gens, pas qu'ils soient descendantes, qui partent de Paris, qui disent voilà, on a défini ensemble la nouvelle idéologie politique de ce pays, mais qui partent des préoccupations des gens, de l'analyse que l'on en fait, du travail qu'on fait au quotidien et qu'on fasse remonter ça en disant voilà, la France de demain, si elle veut réellement avoir un nouveau souffle, il faut qu'elle comprenne ses populations et que ces populations soient en mesure de proposer des choses, qu'on soit vraiment dans une démarche progressiste de développement de l'ensemble du territoire. Et ça, vraiment, j'ai le sentiment qu'on est vraiment très proche avec les élus martiniquais. Et c'est dans ce sens-là, c'est à la fois donc, de la mémoire, de l'histoire, du culturel, du festif, du récréatif, mais c'est aussi du travail politique profond et des combats politiques qu'on doit mener ensemble. Alors, vous assurez donc une continuité, donc vous êtes en place, on l'a dit, donc depuis début décembre. Alors, on le sait, hein, la ville de Sarcelles, donc... qui est donc très cosmopolite, donc beaucoup de communautés donc, s'y retrouvent et vivent ensemble. Et vous dans vos ambitions, vous ambitionnez toujours donc, de laisser la place aux communautés donc, aujourd'hui donc, de travailler toujours ensemble et d'aller vers l'avant. Oui, bien sûr. L'idée, c'est à la fois de travailler avec tout le monde, de rencontrer l'ensemble des parties de la population, des différents quartiers de la ville, des différentes communautés également. Mais ce qui est important, c'est aussi d'abord de les considérer tous et toutes, qu'ils appartiennent à une communauté ou pas, de façon totalement égale. Et puis, c'est aussi d'amener une ouverture, c'est-à-dire d'aller les voir en disant oui, c'est normal que vous soyez fiers de votre identité particulière, mais il y a aussi l'identité républicaine et ils y sont tous attachés à leur façon.
et de créer des ponts aussi entre ces communautés. Ça, c'est peut-être un travail qu'on a un peu moins mené parce qu'on avait déjà beaucoup de choses à faire pour les comprendre, pour travailler avec ces différentes communautés. Et dans un deuxième temps, mais on est vraiment d'accord les élus là-dessus, il faut qu'il y ait davantage de ponts, qu'on travaille sur ce qui nous est commun. Nous, les élus, on est dans cette dynamique-là parce qu'on représente l'intérêt général, mais qui est aussi de l'interculturel à Sarcelles. Je pense qu'on a aussi un devoir d'exemplarité vis-à-vis de la France et peut-être du monde entier, de dire que voilà des populations qui viennent du monde entier, des populations qui sont plutôt... Et qui réussissent bien. Tout à fait, qui sont dans des situations plutôt modestes quand elles arrivent et qui il y a une vraie émancipation sociale à partir de Sarcelles. Ça, c'est vraiment le rôle historique de Sarcelles. On veut absolument le préserver et pour cela, travailler avec tout le monde sans exclusive et amener, penser aussi à l'avenir, l'émancipation, l'éducation. Les élus martiniquais ont insisté là-dessus aujourd'hui sur l'éducation. Je partage à 100% cette conviction. C'est comme ça qu'on permet aux populations de s'émanciper, d'être fiers de qui elles sont à l'origine, d'être fiers d'être françaises aussi et d'avoir vraiment tout le bagage éducatif et culturel qui leur permettent de s'approprier toutes les richesses du monde, de contribuer à la richesse du monde à travers leur culture, leur expérience et de ne pas avoir de frontières, pas avoir de barrières ni géographiques ni mentales. C'est vraiment tout ce travail-là qu'on va continuer à mener. Alors, autour de vous aujourd'hui, on avait donc le député François Poponi, donc le député de la circonscription. On avait donc Serge Lachimi, mais également donc Didier Laguerre, donc le maire de Fort-de-France. C'est une grande première, c'est une symbolique. Aujourd'hui, peut-être que d'autres grandes villes comme Pointe-à-Pitre ou encore Cayenne pourraient également vous solliciter pour organiser peut-être des vœux ici à Sarcelles. Oui, bien sûr, avec plaisir. Nous, on a été sollicités. On trouvait que c'était une excellente idée parce que c'est vrai que, comme je le disais, il y a une histoire très forte entre les Antilles et Sarcelles. C'est sans exclusive encore une fois, donc là c'est la Martinique qui nous a sollicité, ça peut être la Guyane, ça peut être la Guadeloupe, voilà, ça peut être la Réunion, ça peut être Mayotte. En tout cas nous on a vraiment des populations qui viennent du monde entier, et enfin en tout cas non seulement du monde entier mais aussi de toutes les parties de la France. Hein, c'était Serge qui disait que la France c'est le seul pays dans lequel le soleil ne se couche jamais, et bien à Sarcelles on veut aussi que le soleil brille de tous ses feux, et donc toutes les populations, y compris en particulier antillaises, sont les bienvenues ici. Merci en tout cas pour votre réception, merci pour votre dévouement et merci pour ce que vous faites encore pour toutes les communautés, mais y compris donc la communauté donc originaire des Outre-mer. Merci monsieur le maire. Merci à vous et bonne continuation. À bientôt. Jenny, on est avec Jenny Hippocrate, donc notre grande Jenny. Ça va Jenny, on est venu soutenir. Alors, on te voit dans toutes les initiatives, c'est bien, ça veut dire que Jenny, on sait, hein, on connaît ton cheval de bataille, vaincre la drépanocytose, mais quand il s'agit donc d'engagement, de venir donc plaider donc toutes ces causes auprès donc des élus, tu le fais. Absolument. De toute façon, c'est ça. En ce qui concerne la santé, hein, il n'y a pas question d'élu ou de pas élu. C'est la santé, c'est un dénominateur commun que nous avons tous. Donc, qu'on soit de droite, de gauche, au milieu, il faut évidemment plaider pour la cause. Parce que si je vais juste vers une seule personne, ils vont dire, bon, Jenny, elle est de ce côté-là, on fera rien pour elle. Parce que les gens, ils sont un petit peu, je dirais, bizarres. Donc non, et puis ce sont des amis quand même, avant tout. Serge Lachimi, c'est un ami de longue date, donc il faut être là quand il est là. Ça, même si nos opinions politiques, je ne parle pas de Serge, même avec d'autres, c'est pas pareil, mais on s'en fiche. On est là en tant qu'ami, en tant qu'être humain, voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que la drépanocytose, ça affecte tout le monde aujourd'hui, donc il faut vraiment que tout le monde, et notamment les élus, soient informés de la situation, en sachant que la Martinique, c'est quand même 2000 malades, pratiquement 50 000 porteurs, donc il faut vraiment faire quelque chose. Et par contre, ma déception, c'est vrai que c'est les vœux, j'espère, qui vont revenir, c'est pour pouvoir poser des questions sur ce qu'ils pourraient faire en Martinique, ce qu'ils vont faire. Même si Didier Laguerre mortoie déjà à la salle du Grand Corbeil pour des réparations gracieusement, mais il faut faire des choses au niveau... Il a parlé, par exemple, de la savane où il y a de grosses manifestations gratuites. Pourquoi pas une grosse manifestation pour la drépanocytose aussi? Donc je viens pour écouter, pour pouvoir faire un plan d'action aussi. Je ne suis pas bête. Voilà. Merci, merci, ma soeur Jenny. Un petit mot sur cette initiative? Comment tu as trouvé Franchement, un dimanche après-midi, quelque chose qui a été rapidement fait, chapeau pour les organisateurs. Je suis très fière d'être là et que ce soit des amis qui aient pu faire ça, parce que c'est une initiative déjà citoyenne, hein, parce qu'il faut le dire. Et puis pour le reste, l'accueil, tout, il y a des journalistes qui vont justement, parce que le journaliste, c'est la personne qu'il faut être là. Le photographe aussi, parce que c'est ceux-là qui vont veiller. Relayer l'information. Relayer l'information.
Et donc franchement, c'est une super belle initiative. Et puis ce maire de Sarcelles ou ces élus de Sarcelles qui reçoivent toujours les compatriotes ultramarins, moi je trouve ça mais vraiment, je dirais gargantuesque, c'est énorme. Hein. Et donc je suis vraiment contente d'être là avec vous, même si je suis très fatiguée parce que je n'ai pas encore dormi. Hier soir, j'ai une conférence évidemment interactive par visioconférence avec le Canada, les États-Unis et Milan toute la nuit. Donc ce n'était pas évident d'être là et je suis là quand même. Voilà, Jenny Hippocrate, mesdames, messieurs, présidente donc de la PIPD. Merci Jenny. Merci à toi. On est avec Didier Laguerre, donc Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France. Didier, donc une grande première, c'est une belle initiative, une symbolique, on disait, donc ici, pour la ville de Fort-de-France, la mairie de Sarcelles, la municipalité de Sarcelles qui a mis les petits pas dans les grands pour que vous puissiez donc venir vous formuler vos vœux. Oui, un vrai plaisir pour moi, une première et pas une dernière par contre. Nous reviendrons, je reviendrai à Sarcelles, je reviendrai présenter mes vœux aux Fouillalais, aux Martiniquais et aux Domiens qui sont ici sur Paris, sur la région parisienne. Et c'était vraiment pour moi très symbolique de le faire ici à Sarcelles parce que je sais qu'il y a une très forte communauté qui est accueillie, qui est impliquée. On a une communauté, on a un élu qui a beaucoup œuvré. Sarcelles a fait une fresque pour Aimé Césaire. On a vraiment une dynamique forte et puis on a une municipalité progressiste, socialiste à Sarcelles. Et donc c'était important pour moi de le faire et puis je veux remercier ceux qu'on ne voit jamais, ceux déjà qui tiennent le micro, ouais. Qui nous ont accompagnés ouais. Pour faire ça, le balisier, les Peggy. Maurice, qui nous ont aidés pour pouvoir réaliser ça. Et puis tous les élus de Sarcelles qui nous ont bien accueillis. François Pouponi aussi, qui très rapidement s'est mis au service de la ville de Fort-de-France. Et ça, je trouve ça bien, je trouve ça extraordinaire. Et donc, on va monter un travail avec la ville de Sarcelles. Alors, non seulement vous avez été reçu aujourd'hui donc avec les originaires donc de Fort-de-France, il faut y aller, mais également, on peut le dire, hein, vendredi où la ville de Sarcelles vous a quasiment fait citoyen d'honneur puisque vous êtes reparti avec la médaille de la ville. C'est une grande première aussi. Oui, j'ai été reçu par le maire, par le député, par le conseil, par les élus du conseil municipal, les associations de Sarcelles. Grande réception, belle réception. Une belle réception. Je ne m'y attendais pas du tout. Hein. J'avais demandé une salle, mettre à disposition une salle en tant que mon collègue maire. Quoi. Et vous faites citoyen d'honneur. Et voilà, j'ai eu droit à une grande réception, un très bel accueil. Mais parce qu'au fond, quand on s'écoute, quand on discute, quand on partage des valeurs fondamentales de tolérance, de respect, de solidarité, de progressisme et en quelques jours on a trouvé le chemin qui va nous permettre de travailler ensemble, de nous accompagner mutuellement pour permettre à nos deux villes d'avancer, de grandir et puis permettre à ces Martiniquais qui sont de part et d'autre de l'océan Atlantique de pouvoir rester un seul corps. Alors monsieur le maire, bien sûr on parlait de symbolique mais c'est aussi symbolique pour la Martinique parce que la première ville donc, de la Martinique, la ville de Fort-de-France avec ses plus de 80 000 habitants qui organise donc des vœux ici à Paris en début d'année. Alors généralement les élus viennent donc, pendant la période donc, on peut le dire, donc, du congrès des maires. Là c'est une grande première, non seulement la ville de Fort-de-France, donc première ville donc, de la Martinique frappe fort, frappe un grand coup à Sarcelles mais j'ai l'impression que ça devrait faire des petits. Oui, parce que enfin, le congrès des maires, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller vraiment. J'ai déjà fait des interventions, mais moi, j'ai préféré, plutôt que de réunir des gens à l'occasion du congrès des maires, j'ai préféré faire les vœux parce que c'est très symbolique pour nous de se souhaiter la bonne année. C'est vraiment symbolique. Donc, j'ai voulu souhaiter la bonne année aux Martiniquais, aux Fouillalais qui sont sur la région parisienne et à Sarcelles en particulier. Alors, ils sont nombreux les Fouillalais qui sont venus donc aujourd'hui vous accompagner et vous dire merci déjà pour ce que vous faites, puisque moi j'ai entendu hein, ici ou là, qu'on m'a dit que j'ai entendu dire que donc depuis 2001, donc l'arrivée donc de M. Letchimy et encore depuis quelques années, donc depuis votre mise en place sur la ville de Fort-de-France à la tête donc de cette ville, on a l'impression que la ville est en train donc de se transformer.
Oui, la ville se transforme, la ville bouge. Elle s'est transformée aussi entre 1945 et 2001 avec Aimé Césaire. Elle s'est construite, Aimé Césaire a construit les fondations avec le docteur Aliquet, avec Camille Darcia. Ils ont créé un squelette solide. Puis Serge Chimi a poursuivi le travail. Et aujourd'hui, c'est à moi de continuer. Puis après, d'autres viendront prendre le relais. C'est ce qui est important. Mais la ville a une âme. La ville de Fort-de-France, c'est la ville de Fort-de-France et c'est rien d'autre. Et nous continuons à la développer, à la transformer, à l'aménager et à la rendre plus belle, plus attractive, plus accueillante pour que les gens puissent y vivre heureux. Voilà, dans les ambitions donc, que vous avez donc, pour la ville de Fort-de-France, pour ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, quelles sont-elles ? Poursuivre l'aménagement, poursuivre le développement du logement, poursuivre la résorption d'habitat insalubre, de l'habitat indigne, faire de Fort-de-France un haut lieu de l'économie du numérique, faire que l'économie du numérique soit un des piliers de l'activité de la Martinique et que tout ça se passe à Fort-de-France, que tout ça démarre à Fort-de-France. Donc on fait une smart city, comme on dit. On a déjà trouvé un nom, Bishop 1988, parce qu'on veut qu'elle soit tournée vers la Caraïbe, vers les talents martiniquais, mais les talents caribéens dans le domaine du numérique et que tout ça prennent corps à Fort-de-France. On a déjà commencé à travailler avec des acteurs privés, des acteurs associatifs. On va continuer, puis on va continuer à moderniser l'administration municipale, moderniser la ville, et tout en maîtrisant nos dépenses, parce que c'est important, en diversifiant nos recettes, ça aussi c'est important. Il faut qu'on ait une culture de la recette dans l'administration, et pas qu'une culture de la dépense. Il faut une culture de la recette, mais une culture de la recette qui permette de mettre des projets en œuvre pour le bien-être de notre population, créer une agence immobilière à vocation sociale qui nous permettra de mettre à disposition des locaux dans les quartiers pour que les jeunes en particulier, j'y suis très attaché, puissent créer leur projet, monter leur projet, monter leur activité et avec des loyers qui soient compatibles avec leurs moyens. Voilà, donc un petit mot, monsieur le maire, donc vos voeux peut-être à ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Donc on sait qu'on est sur Télé Antilles, on vous regarde donc à Bordeaux, à Lens, à Marseille, à Carcassonne, à Perpignan, donc à Mulhouse, partout en France. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez envie de dire aux originaires donc, de la ville de Fort-de-France et aux Antillais donc, dans leur globalité? Souhaiter aux Antillais, particulièrement Foyalais et Foyalais, mais souhaiter à tous les Antillais, souhaiter à tout le monde une bonne année 2019. D'abord, on a besoin de la santé. Il faut la préserver, il faut la protéger, faut en prendre soin. Et la tolérance, le respect, la solidarité, le goût de l'effort, transmettre le goût de l'effort et faire en sorte qu'en 2019, nous puissions individuellement réaliser nos projets, mais aussi collectivement, développer nos pays et développer notre société pour que chacun y trouve le bonheur, tout simplement. Voilà les mots de M. Didier Laguerre, le maire donc, de la ville de Fort-de-France, qui a choisi donc, aujourd'hui la ville de Sarcelles pour faire ses voeux, donc originaire donc, de Fort-de-France au Fouyalais, mais également donc, à tous ces Antillais qui sont venus très nombreux l'accueillir ici sur Sarcelles. Voilà, on espère que vous avez passé un très très grand moment après ce reportage ici à Sarcelles, un sac à fête spécial vœux du maire avec M. Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France qui a fait le déplacement pour formuler ses vœux ici à Sarcelles. Nous remercions également Serge Letchimi, le député François Poponi et le maire de Sarcelles. Remercier donc la municipalité de Sarcelles, on remercie également Chantal Aounou, donc maire adjoint en charge donc, de la ville et quartier. Madame Isabelle Plot également donc à la coopération. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de Télé Antilles qui s'est déplacée donc ici à Sarcelles. Et puis on remercie également donc toute la production, Jean-François Saint-Louis, donc pour cette orchestration et ce reportage. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Et vous le savez, notre devise avec Télé Antilles en 2019 sera toujours de rester plus près de vous.